Et salut les amis, allez encore sur le vélo aujourd'hui, on se retrouve à la Moutonne, on va aller direction Fort de Gabarès. C'est la fête des papas, alors on va faire un petit tour tranquille et on va rentrer vite pour être en famille. Les copains, ils sont là. Beaucoup de VAE aujourd'hui. Au revoir. Allez, ça part de là. Allez, on a récupéré la colline après un petit kilomètre de route. Et maintenant, il n'y a plus qu'à aller chercher la première montée, se faire plaisir dans la première descente et se détendre. En plus, c'est super beau. Là, on va aller chercher la mer. Bien sympa. Allez, c'est parti pour la première montée. Ça va un petit peu technique. Bon, en VAE, ça va beaucoup mieux. Quand t'es en musculaire, elle te prend un peu du jus d'entrée. Voilà, c'est sûr que c'est un palais. Allez, là, on est toujours dans la montée. C'est un peu plus roulant, mais ça monte toujours autant. Alors on va aller chercher ce qu'on appelle la montée impossible, un petit tronçon. Je crois qu'il y en a quand même qui ont réussi à la monter, mais elle est costaud. À voir en VAE si on la fait sauter ou pas. Allez, on y est. On va voir ce que ça donne en écho. Je suis resté là, à mon avis. Parce qu'il y a bien, non, ça montre un peu en écho. Je monte en tour. J'ai pas choisi le bon truc. Eh ben, c'est une défaite aussi en même. Allez, c'est pas fini. C'est pas parce qu'il y a une défaite qu'il faut continuer. On va essayer de la faire sur le vélo. Ça. Après, c'est compliqué aussi en. Quand on monte en écho, ça va, je veux dire. Et quand tu prends un mode un peu plus violent, c'est dur de gérer entre ce qui cabre pas, enfin la puissance, faut faire gaffe. Putain, ça glisse derrière. Là, tu vois, je suis obligé de mettre le tour plus et le tour plus. Tu files un coup de pédale, je trouve qu'il envoie du pâté le con. Du coup, autre, la montée, il faut gérer le centre de gravité du vélo. Allez, c'est fait ça. Allez, première descente. Oh la ramine, encore ça là. Je comprends combien, elle est encore plus ravinée. Ça arrive un peu du cul aujourd'hui. Ouais, ça glisse grave. Pas trop de grippe. Je sais pas pourquoi. Allez. On est passé là aussi. C'est de charger un peu l'avant. C'est pas rapide tout ça, Seb. Ça descend, mais au ralenti, en trial. Bof, bof, là, mitigé, Seb. Hein, 160 de débattement, Fox 38, et je descends comme une merde. Normalement, il y a moins de marche, plus rapide. Enfin, c'est à moi d'être plus rapide là aussi. Cul d'Enzo.
le sentir la couche à Enzo là. Bim bim bim. Je laisse un peu de distance pour pas. C'est une catastrophe. Et il a un peu la chute. Un peu mieux. Oh putain, il y a un arbre. Et voilà, fini pour la deuxième partie. La suivie Enzo. Allez, on est sur le port de Kerkeran. Allez, là on se monte par les... On n'a pas fait le... la plage, là on monte par les... le Lotis. Là on va aller rejoindre le théâtre. Je sais plus comment il s'appelle. À Kerkeran, là, et après on fait la montée jusqu'à Gavarès. Peut-être qu'on ira à la Poudrière avant, je sais pas, on verra. Et nous voilà au théâtre. Je me rappelle plus encore une fois le nom. D'habitude je viens pas parce que je suis tellement oxy, la dernière fois qu'on est venu en musculaire, tellement fatigué que j'arrive pas à suivre qu'on commence à y aller avant. Et ben là tu vois, au moins je peux profiter. Je peux profiter du paysage, de tout là. Allez, c'est reparti en montée. On est reparti en chasse du fort de Gavarès, ou alors on va à la Poudrière, je sais pas, on verra. En haut. Allez, bah du coup on est parti à la Poudrière, comme ça on va se faire un beau petit tronçon de descente avant de remonter jusqu'à Gavarès. Allez, on a la petite descente. En triangle, en trial. Oui, Seb. Bien joué. On va juste s'arrêter là pour filmer les copains peut-être. Ah non, bah ils sont déjà là. Ils vont plus vite que moi les bâtards, les salopards. Alors on n'attend pas. Putain, alors qu'est-ce que... Je suis de moins en moins à l'aise dans le casse. C'est impressionnant. Ouh, ça glisse. Il y a encore quelque chose qui va pas dans ce faux. Enfin non, dans mes suspensions. Je le sens. Allez, on arrive au fort de Gavarès. Général, quand on arrive là, c'est qu'on a fait un bon morceau de la sortie. Je profite, on va vous faire le tour du fort du propriétaire. On va prendre le temps sur la vidéo. Bon, là, je suis trop fille. Alors, je vais vous montrer un peu ce côté. Pas belle la vie, elle est pas belle la vie dans le sud. Et après on va aller côté Porquerolles, Porcro. Allez, bim, c'est cadeau, c'est pour vous. J'essaye de pas me casser la gueule en filmant. Là, en face de vous, on a la presqu'île de Gien. En bas, c'est Porquerolles. Porcro sur la gauche, là-bas, l'île. Voilà, voilà, les amis. Elle est pas belle, la vie. Elle est très belle dans le sud. On a vraiment, vraiment de la chance. On est vraiment des privilégiés. Mais le dites pas, parce que sinon, tout le monde y va vouloir venir. Bon, mais j'ai pas fait gaffe. Il descendait de l'autre côté du port de Gavarès. Moi, j'étais en train de flâner comme un con de ce côté,
Et comme je connais pas trop de l'autre côté, ben, je vais pas tenter de les retrouver. On se rejoindra un peu plus bas ou à l'arrivée. De toute façon, c'est la fête des pères. En plus, je vais pas essayer de me perdre de l'autre côté. Faut rentrer tôt. Donc je vais finir tout seul. Bon ben du coup je les ai eu au téléphone là, je descends par la route, ils m'ont dit, et je devrais les rejoindre un peu plus bas. Donc on va pas prendre la piste des Lions, on va descendre tranquillou par la route, je vous passe ça en vidéo. Hein. Je pense que ça va pas vous plaire. Bon, une autre petite descente apparemment. Bon, j'ai réouvert de... Je sais plus combien de clics, 2-3 clics de clics, je crois. Les compressions en basse vitesse. Je sais pas, j'ai cette sensation d'être propulsé sur l'avant, mais pourtant j'ai bien fermé l'arrière. C'est pas possible que ça vienne de l'arrière. Et uniquement sur le cassant. Ah, c'est une descente de marche, l'escalier là. Bon, ça va, elle est tranquille celle-là. Boum, 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 boum. Bon, allez, tranquille. Bon, ça remonte, là. Merci beaucoup. Ah, sympa par là. Sympa, sympa. Glisser, je trouve la grippe commence à être vachement sec et poussiéreux. Attends, ça va. Allez, on a fait attention au piéton qui arrive en face, c'est reparti. Et ben voilà, on est tout pas mal. Vas-y, c'est bon. Allez, c'est pas fini, hein, encore une. Vas-y, hein, on se retrouve en bas, hein, merde. Allez, go. Ouais, c'était un tout petit bout ça. C'était un tout petit bout, mais il était sympa. Oh, il est loin. Alors attends, ça y est, il est électrique maintenant. Dans la bétaillère. Et bim, encore un joli point de vue. Rac. Allez, du coup, c'est reparti pour une petite montée. Je connais pas du tout de ce côté-là. On verra bien ce que ça va donner. Petit sentier là, tranquille, on peut se refaire un petit peu la banane, après il va y avoir la petite montée en béton qui tue là, et puis après on va dérouler tranquillement jusqu'à l'arrivée. Allez, on est sur les derniers petits singles qui vont nous ramener à la Moutonne et à l'arrivée. Ben, une bien belle petite sortie, ça fait quoi, 30 bornes, 700 mètres de dénivelé. Le super paysage, la mer et tout, c'est toujours un plaisir d'aller voir ça, démonter un petit peu cardio. Impeccable quoi. Les copains. Et puis voilà. Bon ben, je souhaite une bonne fête de père à tous les papas. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!